Pour cette édition 2019, c'est la commune de Franceville qui a eu l'honneur d'abriter la célébration de la Journée mondiale de la population, dont le thème a été 25 ans de CIPD, accélérer les promesses. Organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population, cette manifestation fut une occasion propice pour le représentant résident de cette entité au Gabon de revenir sur les différentes thématiques abordées. Cette conférence est un programme d'action parle principalement de la question de la santé de la reproduction et des droits reproductifs, en particulier pour les adolescents, adolescentes et puis les femmes. Nous avons l'activité liée avec la réduction de la mortalité maternelle, réduction ou la prévention de grossesse précoce, mais aussi égalité des genres, égalité des femmes, hommes à ce propos. Une journée qui a débuté avec une batterie d'activités en amont. Au terme de ces activités, pour faire un bilan, nous avons formé 28 sages-femmes, médecins et matrones. 1406 personnes ont été sensibilisées à cette thématique-là, dans la commune de Franceville. Les jeunes ont tout de même salué le choix de la tenue de cette journée dans cette localité. La première impression, c'est celle de satisfaction. Je sais pourquoi, parce qu'on a choisi la province de Haut-Ogooué pour pouvoir mener cette énième édition de la Journée mondiale de la population. Ça montre simplement l'intérêt que les autorités, non seulement les Nations Unies, mais également nationales, portent à la jeunesse togolaise. Récommandée en 1989 par le programme des Nations Unies pour le développement, la Journée mondiale de la population est célébrée tous les 11 juillet de chaque année.